Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jacques Dutronc, ses lourdes opérations qui l'empêchent de se rendre aux enterrements. À l'heure du bilan de sa vie, Jacques Dutronc n'en oublie pas ses fidèles camarades comme Eddie Mitchell ou encore Johnny Hallyday. Mort le 5 décembre 2017 à 74 ans. Malgré leur grande amitié, l'ancien compagnon de François Hardy ne lui a pas fait ses adieux lors de ses obsèques à l'église de la Madeleine où de très nombreuses célébrités étaient présentes. L'absence de l'interprète, dit les 5 heures, Paris s'éveille, a donc été très remarquée. Je n'aime pas les enterrements, je ne suis même pas sûre d'aller au mien, mais si je ne suis pas allée aux obsèques de Johnny, c'est surtout parce que c'était trop loin d'ici. J'aurais été à Paris, j'y serais allée avec Eddie, avait-il confié en 2019 aux Parisiens auprès de Paris Match. Il est encore revenu sur cette absence qui n'est pas exceptionnelle pour lui car il ne se rend plus à aucun enterrement. J'ai assisté au ceux de ma mère, de mon père, de mon frère, a-t-il confié. Après la mort de mon père, nous avons fait une fête comme on le fait à la campagne. Récemment, j'ai perdu plusieurs amis d'un coup. Je suis allée les voir dans leur cercueil. J'avais déjà l'habitude de les voir ainsi, car la sieste est sacrée en Corse. Ils se sont absentés avant que je ne les rejoigne. Nous sommes tous de passage, mais on ne sait pas où est la sortie. Mais s'il n'est jamais présent aux funérailles de ses proches, c'est aussi pour une autre raison, bien plus triste. Il a subi 2 interventions chirurgicales. Je me rends peu aux enterrements, parce que je marche mal. Ce qui est un comble pour un chanteur, a-t-il expliqué. J'ai subi 2 opérations à la hanche pour imiter Johnny Hallyday, mais du même côté, je n'irai probablement pas à mon enterrement. Enfin, on verra. De touchantes révélations. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des dernières actus. À bientôt sur Buzz TV.